foule considérable qui a pris place sur les pentes de Jouplane et qui n'était pas guère moins importante, en tout cas tout à l'heure, dès la première montée ou sur le col de la Colombière. On peut dire que Laurent Fignon maintenant est en démonstration, Raphaël, parce que même Greg LeMond dans son sillage, qui s'est considérablement amélioré depuis 5 jours, est à l'ouvrage. Et derrière, ça tire, Delgado et Arroyo pourraient bien faire les frais d'une opération de grimper au train express par Laurent Fignon. Voilà. Oui, on le voit justement franchir ces quelques 100 derniers mètres. Et ça sera plus difficile pour le peloton Fignon de se frayer un passage. Parce que la vue du maillot jaune surexcite certains. Et Millard toujours en tête du groupe de chasse. Il va passer donc à combien d'Arroyo, vainqueur du col de Jouplane et qui plonge maintenant sur Morzine. Il a le droit de lancer ça. Peut se faire remarquer, on reconnaît. Hein. Oui. Parce que les coureurs, 170 coureurs au départ, maintenant ils ne sont plus que 140. Mais enfin, les chaussures blanches, c'est quelque chose qu'on se fait remarquer. Ça l'a énervé quand même qu'on l'appelle trop longtemps le tennisman. Hein. Voilà, les premiers virages assez difficiles à prendre. Bernardino qui mène, qui continue à mener. Il n'a laissé à personne le soin de mener. Personne n'a pris le relais. Alors toujours Bernardino en deuxième position. Anderson en troisième position. Kelly en quatrième position. En quatrième position. Simon en cinquième position. Il me semble que ce soit Verscholten. Ah oui, il a des tics curieux, mais c'est vraiment un remarquable coureur. Parce que c'est, se dire, je gagnerai l'étape demain alors que le jour même, on en a respiré quelques 15 minutes et terminé dans un état difficile. Moi, je suis sûr qu'il peut faire deuxième sur cette arrivée. On pourrait quand même faire un petit pronostic, quand même. Oui, mais il a produit beaucoup d'efforts. Hein. Ouais. Il a produit beaucoup d'efforts. Alors, je donnerais plutôt Kelly deuxième devant Hino ou Fignon, qui peut très bien être deuxième du sprint. Ah, et voilà. Le contre de Simon. Ah, il a bien joué. Hein. Il a bien joué. Ça n'est pas, c'est Anderson qui va le chercher. Et Fignon, suivi de Hino. Fignon qui veut à son tour boucher l'écart. Winen. Oui, Winen qui allait le chercher. Ça y est, tout rentre à nouveau dans l'ordre. Hein. Voilà, Arroyo sur la ligne. Dans quelques instants. Belle victoire donc de l'Espagnol. Angel Arroyo, deuxième du Tour de France, l'a passé derrière Fignon. Et vainqueur après avoir démarré dès les premiers kilomètres du col de Jouplane. 6h17 et, ou presque, qu'ils sont en course. Arroyo, top. Dernier kilomètre. Dernier kilomètre pour les autres. Les 9 autres grands de la journée. Millard en dernière position, Munoz devant lui. Anderson. Ah ouais, c'est beau de voir les gens qui volent. Hein. Inutile de vous préciser le classement général, puisque je vous le répète, il n'a subi aucune modification. Coureurs ce matin au départ de Morzine, car Delgado, qui est tombé hier, souffre d'une fracture de la clavicule. Il était 8e du classement général, il est rentré en Espagne. Et Régis Clerc, touché par un deuil familial, n'est pas parti lui non plus. 125 coureurs qui attendent avec impatience l'arrivée sur les Champs-Élysées, car les énergies sont émoussées et la fatigue commence à se faire sentir depuis hier, depuis cette étape des Alpes qui n'a été disputée que dans le dernier col. Les coureurs n'ont vraiment plus beaucoup d'énergie à dépenser. Ce tour était vraiment très très dur. Au sommet du Corbier, c'est Jiménez, le Colombien, qui passe devant Millard, qui consolide ainsi sa position de meilleur grimpeur. On passe par Abondance, le pays de Didier Bouvet, notre médaillé olympique de ski, par Châtel, où sont installés d'autres anciens champions, Françoise Masqui et Jean-Noël Augère. Et puis la frontière au pas de Morgin, au 40e kilomètre. Il y a encore 100 kilomètres à parcourir. Et c'est Bernardino qui attaque dans la descente. Il avait descendu très vite Jouplane hier. Il descend encore très vite le pas de Morgin aujourd'hui, contrôlé par Pascal Jules et accompagné par Bossis. Mais Laurent Fignon n'est pas loin, à une centaine de mètres tout au plus.